Le 3 juin aura lieu la finale de The Voice. Jury dans l'émission fétiche de TF1, Vianney avait vécu une situation très embarrassante sur TPMP en 2017. Dragué par une chroniqueuse, il avait dû poliment la recadrer sous les yeux de sa chérie Catherine. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste en 2017, Vianney s'était retrouvé dans une situation très gênante face à Cyril Hanouna. En plein direct, le chanteur avait reçu des avances d'une des chroniqueuses, Kelly Vedovelli. Tâtant d'abord le terrain, l'animateur avait demandé à son invité s'il était en couple, histoire de savoir où il mettait les pieds. Sentimentalement, je suis très bien à révéler l'interprète du titre pas là. Mais contre toute attente, la star du clip du titre Bella de Gims commence alors à montrer beaucoup d'intérêt pour l'artiste. J'ai dit tout à l'heure que je le trouvais très beau Vianney. Je suis honnête à révéler la jeune femme. Et si est-il là quand t'as une meuf que t'es dans la merde? S'amuse Cyril Hanouna, sans déconner t'es là tu sais que ta meuf regarde l'émission, et là t'as un avion de chasse qui te chill. Qu'est-ce que je fais frère? Il y a deux solutions, soit tu dis non je suis maqué ou tu dis Nico Mouk, tu te lèves et tu vas chiller la meuf, il n'y a pas 35 solutions. Plus sage, Vianney répond, non il y a deux réactions, moi je rougis donc déjà si est-il enfer pour moi à ce moment-là et plus ma meuf elle est fan de l'émission si tu veux. Non si est-il pas vrai? Alors on va pas perdre un téléspectateur, calme-toi dit-il à sa chroniqueuse. Christophe si est-il pas ton délire? Lui demande-t-il en pointant Christophe Fondelatte. Moins, répond Kelly. Votre meuf elle s'appelle comment? Demande ensuite Cyril Hanouna, Catherine, tu sors avec une meuf âgée? Plaisante ensuite l'animateur, prenant soin de bien faire comprendre à son invité qu'il s'agit d'une blague. Elle va kiffer. Elle va vraiment kiffer. Ajoute l'interprète du titre Je m'en vais. Catherine est bien avant que tu ailles te coucher on t'embrasse bien fort concluait Cyril Hanouna à l'époque. L'idylle entre Vianney et Kelly ne s'est jamais produite puisque l'artiste s'est depuis marié avec Catherine Robert le 14 juillet 2020. En couple depuis 2016, ils sont devenus parents d'Edgar en octobre 2021.